Bien d'abord, à mon tour, je voudrais vous saluer naturellement et remercier Frédéric Bizard pour cette initiative et d'autres qu'il a tenues par le passé. On a eu déjà de nombreuses occasions d'échanger ensemble sur les enjeux qui vous occupent et qui nous occupent. Je vais immédiatement vous dire que je serai mal poli puisque nous avons le budget de la sécurité sociale qui est en cours d'examen à la commission des affaires sociales à l'Assemblée. À l'heure où je vous parle, la séance a recommencé. Voilà. Et donc, si je veux honorer mes fonctions correctement, il va falloir que je vous quitte pour aller poursuivre ce débat avec mes collègues. Et donc, je vous prie de m'en excuser, naturellement, mais je pense que vous pouvez le comprendre. Je vais essayer de pas répéter, d'être relativement court, pas répéter ce qu'a dit ma collègue Laurence Cohen, avec laquelle on travaille main dans la main depuis quelques années maintenant. Et donc, je vais pas vous infliger une redite, simplement quelques éléments complémentaires. D'abord, il y a un débat qui s'est installé autour de l'avenir de notre système de santé, qui est un débat politique, qui évidemment sur lequel on peut trouver des points d'accord, mais sur lequel il y a aussi quand même des désaccords. Et donc moi je pense qu'il faut continuer à réfléchir, à travailler. Je dis souvent aux gens qui m'interrogent dans ma circonscription, je passe mon temps à discuter avec des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord pour essayer de trouver des points de convergence. Donc ça ne me dérange pas qu'il y ait des points de désaccord. Mais il y en a, et il faut l'assumer aussi. Il y a des visions différentes qui s'expriment de notre système de santé. Tout à l'heure, l'un d'entre vous évoquait la part croissante de la finance et de la financiarisation dans notre système de santé. Pour moi, c'est un problème majeur. Il y en a qui s'en accommodent très bien. Mais je vous le dis franchement, moi non. Voilà, c'est un problème. Et je nous encourage, vous me demandez la méthode, mais ne confiez pas les clés à Doctolib. Voilà. Ne confiez pas les clés de la réorganisation de notre système de santé à Doctolib. En tout cas, moi, ce n'est pas ma conception des choses. Je vois que des entreprises de ce type sont en train de prendre la main aussi, parce que ce n'est quand même pas neutre, hein, la place qu'ils sont en train d'essayer d'occuper. Hein, sont en train de prendre la main aussi sur l'organisation de notre système de santé. Donc moi, je ne suis pas pour laisser ça au marché. Je ne suis pas pour laisser ça à des algorithmes. Je pense que c'est effectivement une affaire de femmes et d'hommes et qu'il y a besoin de démocratie dans l'organisation de notre système de santé. Et donc il faut s'en occuper et c'est bien que nous soyons ici pour en débattre avec des propositions. Et franchement, je veux louer le travail sincèrement que vous avez fait avec des propositions très concrètes, systémiques, je l'entends bien, mais sur lesquelles il y a quand même du grain à moudre et des choses à faire avancer. Donc je voulais peut-être souligner cet aspect-là des choses. Et donc, comme l'a dit Laurence Cohen, moi je ne vais pas vous décrire la crise que vous connaissez mieux que moi parce que vous la vivez, mais que je rencontre aussi sur mon territoire, qui est effectivement une crise de moyens, parce qu'au bout d'un moment, si on ne parle pas de ça, on va faire semblant. Il y a une crise de moyens qui sont investis. Alors, il y a ceux qui sont captés hein, par les marchands, c'est une chose, mais il y a une crise des moyens qui sont investis dans notre système de santé, dans l'hôpital public. Et les ONDAM, qui sont des ONDAM de compression des dépenses, évidemment, nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il y a une crise de sens. Et qu'il faut répondre aussi à cette crise de sens. Je rencontre, moi, en permanence, des personnels médicaux, des personnels soignants, qui sont dans plongé dans cette crise-là à laquelle nous devons faire face. Parce que la question qui nous pose, c'est qu'est-ce que la société attend de nous? Quand vous regardez la situation dans laquelle nous sommes placés, qu'est-ce que la société attend de nous? Et nous devons répondre à cette question-là autrement que par la manière dont ça a été fait jusque-là. Sur la méthode, moi je crois qu'il faut véritablement remettre de la démocratie dans la sécurité sociale elle-même, qui est de plus en plus étatisée. Et ça croît à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je crois qu'il faut également effectivement partir du terrain et en finir avec ces logiques de protocolisation outrancière des soins que vous rencontrez et qui est à cette organisation de plus en plus centralisée. Moi je le vis dans mon territoire, hein. On a le GHT le plus grand de France. Nous avons commis un rapport avec un collègue il y a quelques mois de ça sur les GHT. Franchement, cette manière de centraliser la décision ne crée pas des meilleurs résultats en matière d'accès aux soins et de santé, dans des inégalités de santé qui sont considérables dans ce pays. Les enquêtes le montrent, etc. Bon, voilà. J'avais promis d'être court, donc je vais essayer de conclure mon propos. Évidemment, pour moi, il faut que le service public occupe une place majeure dans notre système de soins, mais il faut aussi peut-être, dans la manière dont nous imaginons les choses
le transformer, transformer la sécurité sociale elle-même, donner une nouvelle place au mouvement mutualiste, notamment en matière de prévention. On a besoin d'agir sur ces enjeux-là et je pense que les gens sont prêts à s'en emparer. C'est pour ça que je parle de démocratie, avec toutes les épreuves que nous traversons. Des femmes et des hommes nombreux ont envie de s'emparer des problèmes de santé qu'ils rencontrent. Moi, dans mon territoire, il y a de la pollution atmosphérique. Les gens s'en emparent, font des propositions, souhaitent que les institutions soient au rendez-vous des questions qu'ils posent. Et donc, voilà, à partir de là, ça donne aussi de l'espoir pour essayer de transformer les choses. Merci beaucoup.